Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va jouer, bon, de toute façon vous avez eu le titre, c'est pas comme si c'était une surprise. On va jouer à Lucius 3. Voilà, alors Lucius 3, il faut savoir 2-3 trucs dessus, c'est que... Alors attendez, warning, this game... oui, violence, gore, sexual content, c'est fantastique, c'est exactement tout ce qu'on a vu. Il faut savoir que Lucius 3, il est mal noté sur Steam. En fait, plus les Lucius sortent et moins ils sont bien notés. Et justement, je pense que ça peut être marrant parce qu'apparemment, il est beaucoup buggé et tout. Et je trouve que ça peut être assez rigolo. Au final, est-ce que les Lucius, c'est pas comme un peu les films de Asylum, comme Sharknado, etc. Vous savez que ça, c'est juste dans le... juste au milieu du... mauvais, mais assez mauvais pour être marrant, en fait. Allez, c'est parti. Voulez-vous vraiment commencer? Oui, bien sûr. Ouh, carnet, gauche, droite, avant, arrière, transformation, courir, sauter, carte, inventaire. Alors, je me souviens plus de grand-chose des premiers. Je sais juste qu'évidemment, on est un gamin un peu diabolique et puis qu'on tue des gens, mais je me souviens plus trop de toutes les... tous les petits côtés scénaristiques, etc. Le 6 juin 1966, la femme d'un sénateur donne naissance à un enfant. 6 ans plus tard, tout l'entourage de l'enfant commence à... On a fait appel à un détective pour enquêter sur ces incidents. À la sortie, la seule chose qui... Le détective était faible et son histoire nuisait à son jugement. Il était facilement influençable et devint rapidement d'un simple pion dans les plans du garçon. L'enfant fut admis en soins psychiatriques et bientôt, il eut de nouveau des décès parmi... Il était déterminé à ce que les événements qui entraîneraient le ravissement se déroulent. Dans une ville du nom de Ludlow, la prophétie de cette trompette a été réalisée. Il a maintenant obtenu un parchemin doté de 7 sceaux. De nouveaux décès ont marqué ces événements et ont enfin déclenché l'affrontement final entre le paradis et l'enfer. Mais c'est copyrighté de ouf ça! Mais le 2 était un peu comme ça, non? C'était pas dans un bus? Mais c'est une musique libre de droit, mais qui a été rechantée, et puis l'interprétation, elle, est copyrightée. Du coup... J'espère que l'interprétation est libre de droit. Oui, c'est There is a house. In our arms. Ça n'a pas été repris comme le pénitencier de Johnny Hallyday? Je ne sais plus. Mais ce chauffeur de bus, il me dit quelque chose, hein, on l'a déjà vu. Le bus qui tourne tout droit. Bah. Quoi? Incroyable, y'a de la slow-mo. L'arbre. Incroyable l'introduction. Ah, ça va être le genre le tuto. J'ai cru qu'il était tout nu avec son costume. Hey, get your hands off him. Enlevez vos mains de lui. What the hell are you doing? Qu'est-ce que vous foutez, putain? Whoa, relax there, stud. I'm not here to hurt anyone. Les talons. Well, I guess I should, but I just can't. He's so innocent looking after all. Ah, c'est moi. Enfin, moi. Who the hell are you? What the fuck are you doing in the middle of the road? The name is Gabriel. It's nice to finally meet you, Jack. Ange Gabriel. I've been following your work for a while now, and I have to say, I'm really impressed. You work for the Bureau or the agency? No, 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 you silly man. Let's just say I work for the real Big Brother, the man upstairs. You know, the true keeper of the law. Get your hands up and step away from the boy. You boys with your silly guns. I was going to kill you both, but there was something in his eyes. I saw a glimmer of hope there.
Don't worry. We will meet again soon. Je ne sais déjà pas quoi en penser. Ah, le mec a disparu d'un coup. Yeah, it looks like there's some new players. We really need to keep our head in the game. Quoi? I think the town is behind these trees here. Someone's gonna find this bus soon, and we should try to avoid any suspicion. Ouais, mais je me souviens plus, en fait. Speaking of suspicion, we really should take a step back with the killing. We need to keep a lower profile while we're trying to figure out a way to open these seals. Mais c'est qui lui par rapport à moi? I've been reading the subject a lot lately, and I think I got an idea about how we should go about this. Now I'll show you some of the literature once we get to my apartment. Moi je ne parle pas, je ne suis pas doué de la parole. On va prendre quoi? Ouh. Oula, comment il tourne? Mais regardez la tête! On dirait un pigeon. Je peux courir, je peux sauter. Ça c'est le bus ça. Est-ce qu'on peut sortir de la map? Est-ce qu'il y a des speedruns sur ce jeu? What? Il y a un truc là? Oh, j'ai trouvé un bonus! Pouah! Incroyable! La caméra, elle est particulière. C'est... En fait, il n'y a pas beaucoup de jeux, je crois, où la caméra, elle est littéralement au-dessus de la tête du personnage. Bonjour. Troisième personne, en général, vous êtes au-dessus de l'épaule. Ouh, ce petit saut. I think we can get across around there. C'est vrai que les animations, elles sont... Jump, right? Elles sont... Je suis désolé de le dire. Médiocre. Wow! Alors ça, je m'y attendais pas. Hein. À qu'on puisse attraper les rebords et tout. La bataille des petites cornes. C'est... Beau. Ah! Oh, j'ai déjà trouvé deux bonus, les gars. I think we need a little help here, son. Yeah, I'm pretty sure we can use the tree over there to climb over. Are you able to bring that down? I've seen you use those abilities before. Before? Yeah. Donc là, c'est le moment où... Se concentrer. Oh! Quelle force! Comme ça. Oula. Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Il y a vraiment des planches de bois comme ça par terre dans les forêts? Falling Grace? Oh. Ok. I'm out of it. Choc, Roddy. Je sais pas comment j'ai tourné le truc, mais... Voilà, je sais pas à quoi ça va servir, mais... Oula. Voilà, bah facile. Oh, quelle magnifique lune. Mais on est où, là? On est venu nulle part, et puis on allait où avant? Faire 3 mètres pour une cinématique. Oh là, il y a une vraie ville. Ah mais c'est vrai, c'était très open world le 2, je me souviens. Ouais, je pouvais être dans la rue et tout. Lucius 3. Home sweet home. Let's take the path down there. Ah, on le fait vraiment, on va vraiment marcher. Ah oui, il y a un vrai chemin. On peut pas sauter par là? Je suis curieux de savoir ce qui se passe, moi. Ah ouais, ah ok, bon, c'est un...
Jump up. Oh là, mais encore du platforming, quoi. Oh, ouf. Oh là, mais c'est un jeu de plateforme, en fait. Ah, regardez, je dois faire des sauts et tout. Allez, je veux tuer des gens, là. Je suis pas là pour sauter. Bah, qu'est-ce que je peux faire, là? Quoi? Et... Ah, je peux brûler des trucs! Pourquoi je fais ça? Ah, ça me permet de descendre en dessous, d'accord. Donc mon personnage c'est mieux que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, j'ai vu. Merci, merci. C'est une fête? On va tuer des gens. Ouverture. Ah, il y a une cinématique à chaque action qu'on fait. Mais c'est pas le diable qui est avec moi quand même. Jack, is that you, Jack? Ah non, bon, ils le connaissent. Mais tu sors d'où là? Hey, I didn't know if you were coming or not. You could have used the front door, you know. Ouais. But I'm glad you're here. And who's this little guy? You remember the senator's kid, right? Wagner's son, Lucius? Oh, yeah, right. How could I forget? Last year was pretty rough on us all. Oh. I can only imagine what you must be going through. Yeah, he doesn't speak much. I just picked him up from Benedict's. I think it's good to keep him near his home while we look for a better place for him. So this is the kid? Sole survivor of the Dante fire. Ah mais oui, c'est vrai. How's he doing? Did the doctors tell you it's okay to take him already? Lieutenant? They told me to take him to a more familiar environment. His mental health seems fine. It's just that he's gonna take some time to recover from something like this. I talked to Child Services and they're gonna look for a place to put him in. In the meantime, I think we should try and make him feel as comfortable as possible. Don't you agree? I do. Did you talk to Dr. Young? Maybe I should contact him for some consultation. Ça va être ma première victime. No need to for that. I talked to him, and I think I have everything under control. Besides, he's currently on vacation. I think he said something about taking a trip to the Pink Islands. Oh, must be the Caribbean trip he was always talking about. Well then. Let's just make him feel comfortable, shall we? You know, I have an idea. You know what you could do, Lucius? You could take this camera and be our cameraman for the party. Oh non, quelle année là. Just wander around and take pictures of everyone having a good time. That sounds like a great idea. La cravate. It's a great way to meet everyone here. Go right ahead, son. Let me know if you have any problems. Comment tuer quelqu'un avec... Le mec a pas fini de parler, ça finit déjà. Comment tuer quelqu'un avec un appareil photo? Je vais voler leurs âmes. On dit que ces photos durent toute la vie. Comment j'utilise mon appareil photo? Bonjour. Don't run, children. You're going to hurt yourself. Oh, hello. Bizarre. Was it Lucius? You're our personal photographer, are you? Well, that's lovely, darling. I wish Samantha and Derek could have something useful to do. Maybe you can come and play with them at our house. It's the one near the beach. Okay. You're welcome to visit any time. Our door is always... C'est bizarre ici. Puis sur I pour ouvrir. Mais ça, j'avais compris. Ah, j'ai mes photos. J'aurais trouvé un endroit où les ranger. Photo de Gabriel, la photo sera vide. Good evening, Lucius. We meet again. You've met him before. Oh, well, yes. Charles and I go way back. Oh, really? L'animation des bouches, c'est incroyable. Your personal relationship is not interfering with the case, son. Oh, quite sure, sir. Our relationship was always strictly business. And I assure you, there are no conflict of interest. Oh, faut vraiment que je prenne une photo de tout le monde là? Shoot, I know you do it. I know you do.
Come on, you can tell me. Sneak a peek? I would. All them fine ladies sleeping there? Yeah. Really, sir? Really, sir? I don't know what you're talking about. I really must be going back to the motel. There might be customers coming in. My mother gets worried. How is your mother, Banner? Haven't seen her in a while. I should come and pay a visit. Maybe bring the kid with me. She's fine, sir. We're all fine. I mean, why would you come? I mean, she... Come as you may, but she gets ill sometimes. I mean, she has been ill lately, so... She probably won't be able to see any visitors. Oh non, mais y a que des discussions. Taking those pictures won't save you, son. We all know what's coming. Quoi? Oh Lord, yes we do. Such a sweet, innocent child like you will not be saved without Jesus on your back. On passe de Outlast hyper chrétien avec and can taint the minds of these innocent children. Avec un jeu un peu pareil au final. To save him. Get off me, you old fart. You can't even sail correctly. Is that an SGX 72 land? Oh là là, le stéréotype du geek. I have the exact same one. It takes only two. C'est quoi ses yeux? Il y a un problème là. It's part of my secret project. I'll take you first. En fait, on me présente tous les personnages de la ville. Après, ça va être un peu open source, je suppose. Mais j'ai personne à tuer. Ah, il y a les gamins qui étaient partis par là-bas. Ah oui, ils sont là. Salut. Mince. Attendez, j'ai pas le temps de... Hello, Derek. Stop that. You're hurting him. No. C'est un corbeau. What's the matter, sis? Are you scared? Scared of a little birdie? No, Derek. You're killing him. Don't kill him. Oh. Who are you? Bizarre. It's the kid from the mansion. The rich mute. His parents are dead. His parents are dead. And he killed them. He killed them dead! He did not. They died in a fire, Dave. I heard that his dad killed his mom with a nail gun. C'était moi. Is that true? Non, c'était moi. You're right. Mute and crazy. What is he gonna do? Tell on us? Je peux faire un truc avec le corbeau, je sais pas quoi, mais... Corbeau blessé, ses enfants le torturent, je devrais peut-être aider cette créature. Bizarre, moi je me barrerais. La musique, le slow-mo, le sang au ralenti. First Blood. Ah lui il s'en fout. Ah si. Non mais là je suis capté. C'est gros comme une maison. Et puis j'étais sale avant et maintenant je suis propre. C'est quoi ça? Le cœur d'un corbeau. Je peux encore utiliser l'âme qu'il contient? Comment on utilise l'âme d'un corbeau? La cravate qui vient se mettre à chaque fois. It's getting kind of late, especially for the kids. Oh, so soon? Well, I guess you're right. Come by the office anytime. Bring the kid for a checkup. I would love to see him. Thanks, Doc. We'll see you later. Ah c'est ouais, c'est très sommaire. Hein. Ah c'est un tapis par terre, ok. Well, bah voilà. Make yourself at home. You can sleep there on the right. My bedroom's over here on the left. There's some clothes in the wardrobe that might fit you, and I think there should be some milk or something in the fridge. Ok, non mais moi je vais juste faire dodo. C'est quoi ça? Ça fait le décès de Drew McCuffin. Il avait 7 ans quand il est mort dans un accident de voiture. Pourquoi ça me sort le cœur? On s'en fout? On peut sauvegarder comment dans ce jeu? On peut pas sauvegarder quand on veut? J'ai une sauvegarde depuis le début? Ah ah!
Il y a des vêtements pour moi. C'est quoi ces vêtements? Un costume de fantôme? Mais non, mais je vais pas me trimballer comme ça. Un imperméable. Ah, on flotte en bas. En pyjama. Ouais, ça c'est casual ça. Non, non, mais ça c'est le vrai costume de Lucius quand même. Le costume du petit élève parfait là. Ah, je peux mettre la photo là. Puis sur Q. Ouh là là. Retournez d'où vous venez. Je dois examiner la maison et trouver le parchemin. Il était autrefois mon pire ennemi, mais il est désormais mon fidèle compagnon. Le détective. Lorsque j'avais 6 ans, il écoutait sur les événements survenus au manoir Dante. Il a fini par découvrir la vérité à mon sujet, mais il m'a très vite apporté son aide pour une raison que j'ignore. Je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas. Ouais, j'ai pas l'apostrophe. Hâte de tuer des gens. Ça a l'air trop bien. Voilà, voilà, voilà. La photo d'un garçon qui doit avoir à peu près mon âge. Ouais, vous m'êtes venu dans ma chambre. Ah, bah il m'aide parce que je ressemble à son fils. Bah oui. Je suis le diable, mais c'est un détail. Ah, mais c'est le parchemin sacré scellé par les 7 sceaux. Il m'a été donné par mon père suite aux événements de Ludlow. On dit que ces sceaux peuvent être brisés par des mains humaines. So, yeah, I had a chance to look into this a bit while you were out there doing your thing. And what I gathered was that these seals open up after certain events have happened. There seems to be sort of a continuing thing with these prophecies. It's like with the trumpets. I think we need to create some sort of figurative events that le vrai bureau du détective. Events of the Bible. Les quatre chevaliers. I think what we're looking for here is some sort of ruler or a guy who's about to conquer something, a place. Ah, le mec a un tableau avec des trucs reliés avec des épingles et des ficelles. There's also this bow hunting thing. We need to look for some evidence about that. Once we're 100% sure who our guy is. We make sure no one is looking for him after he's gone. So tomorrow morning, I think we should give everyone a visit. I still have to work and we need to try and keep up appearances. You never know if those become useful visits for our cause. I wonder how we're gonna make these four guys into the horsemen. Yeah, we need to be crafty on this one. Jack a une bonne idée de ce qui est arrivé. Notre but est de trouver des personnes qui correspondent à la description des quatre cavaliers. Et ok, ok, j'ai compris l'objectif du jeu. Tout va bien. Mais enfin, il est possible de faire 3 mètres sans une cinématique là? Chapitre 1, si vous le construisez, ils viendront. Le 24 octobre 1974 à 9h32. C'est le matin. Lucius se lève. Il décide de s'habiller. Son costume de la veille a disparu. Il doit rester en pyjama toute la journée. Mais il est où mon costume là? Bah, un bug. Merci. C'est ainsi que le joueur français se bloqua. Trop bien. Oh, on voit à travers les murs. Et le plafond. Ah mais oui, mais... Ah mais la caméra là, c'est abusé quand même. Oh hi, you're up. I was just about. Non, mais on va arrêter là. How'd you sleep? Mais il est dans le comptoir là. Underworld? Mais il y a personne. So, I've made some breakfast here. Hope you like scrambled eggs. I think you should eat and then change into something more appropriate. We should mais c'est incroyable. Want to crack this. Mais il est pas dans le bon sens. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui.
On verra la suite la prochaine fois. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus.